Bon, on commence. Faux départ. Donc, c'est bon, il est 18h30. Donc, bonjour à toutes et tous, ainsi qu'à nos quatre intervenants. Et du coup, après une première table ronde sur le handisport, on ouvre dès maintenant cette deuxième table ronde intitulée L'écologie en basket, une jeunesse qui fait du bruit. Donc, je vais commencer par présenter nos quatre intervenants. Donc, on va commencer par la Lyonnaise Louise Pasquet. Tu es étudiante en troisième année à l'EM Lyon, une grande école de commerce, et tu es passionnée de sport et notamment de natation. Et tu as eu l'idée un peu folle de co-créer l'association Zéro Mégot. C'est une association qui allie sport tout en tentant de créer une conscience et un réveil écologique. Et avec trois potes, vous avez décidé de descendre la Seine à la nage. Et c'est une action de mobilisation, de sensibilisation pour que les gens cessent de jeter leurs mégots par terre et qui débutera donc le 30 mai. Et c'est un signe fort puisque c'est la journée internationale sans tabac. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter pour finir de te présenter? C'est tout à fait ça. Bonjour à tous. Non, tu l'as très bien résumé. J'ai co-créé du coup avec trois amis Zéro Mégot, qui est une grande campagne de sensibilisation. On utilise le sport et plus particulièrement la natation pour essayer de sensibiliser les gens à la pollution liée aux mégots de cigarettes. Et donc en fait, le parcours d'un mégot de cigarette qui pourrait être jeté à Paris, on va le retracer nous en nageant 380 km tous les quatre. Parfait. Et du coup, ensuite, il y a André Escardot. Tu es étudiant en STAPS à Clermont-Ferrand et tu es aujourd'hui le vice-président en charge de l'innovation sociale à l'année STAPS. Et si je ne me trompe, le but de l'association, c'est de créer des projets d'innovation sociale en rapport avec le sport, mais aussi, par exemple, en rapport avec des enjeux environnementaux. Vous avez aussi organisé la première édition de la Semaine nationale du sport et de l'environnement en janvier dernier, dont on reparlera plus tard. Est-ce que tu peux commencer par préciser rapidement ce qu'est l'année STAPS? Tout à fait, merci Hugo. Donc bonjour à toutes et à tous et encore merci à Future Sport de nous accueillir pour cette table ronde. Donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, donc elle œuvre depuis 1999 pour défendre et représenter les droits et les intérêts des étudiants en STAPS, mais pas que, également l'intégralité des jeunes qui souhaitent s'orienter vers les formations dans le champ du sport et de l'animation. Donc ça fait plus de 20 ans aussi qu'on traite des thématiques, comme tu as très bien pu le dire, environnementales, mais également plus larges, donc toutes les problématiques sociales et sociétales. Et on a pour habitude de répondre à cela par le projet. Donc, on aime à dire qu'on marche sur deux jambes. Donc, une jambe, la représentation des droits de ces jeunes-là, mais également l'autre jambe, l'innovation sociale par le projet. Ensuite, en troisième participant, c'est Maxime Trabeau-Lefranc. Tu es originaire de Montpellier, tu réalises actuellement des études de commerce. Tu es également student marketeur pour la marque Red Bull. Et en parallèle, tu as créé Wildrun. C'est ta propre association de parcours urbain et ça te permet d'être suivi par toute une communauté avec laquelle tu transmets ta vision du sport et ses valeurs aussi, et avec qui tu réalises aussi des actions de protection de l'environnement. Est-ce que tu peux vite fait, rapidement présenter ton association? Tout à fait, merci Hugo, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Donc, comme disait Andreas, merci de nous avoir invités pour discuter donc, ensemble de tous ces sujets très intéressants. Donc effectivement, je présente l'association de parcours à Montpellier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours, l'idée c'est de franchir des obstacles urbains de la manière la plus fluide, rapide et stylée possible, voilà, pour faire très très court. Et effectivement, on met en place là depuis cette année pas mal d'initiatives écologiques en rapport finalement avec notre sport, puisque l'environnement et notre sport sont intimement liés, puisqu'on se sert de notre environnement pour pratiquer notre sport. C'est notre terrain de jeu. Donc voilà, on va développer tout ça par la suite. Merci. Et enfin, notre dernière intervenante, n'est autre que Yann Kuchera, ancien athlète et gymnaste olympique, vice-champion du monde à la barre fixe et médaillé de bronze aux barres parallèles aux mondiaux de Melbourne en 2005. Et ensuite, tu as poursuivi ta carrière en tant que directeur sportif de l'équipe de France de gymnastique et tu es aujourd'hui reconverti dans la politique du côté de Lyon. Et tu as plus récemment été chargé par le ministère de créer une école nationale de cadre du sport. Est-ce que tu peux nous éclairer rapidement en quoi consistera ta mission auprès du ministère? Bonjour Hugo, bonjour à tout le monde. Merci pour cette belle initiative. Parler sport, écologie, jeunesse, c'est quelque chose évidemment qui m'intime, qui m'active en lien avec évidemment mon parcours de sportif. Aujourd'hui, j'ai des missions plurielles, elles sont variées, mais autour de l'école des cadres du sport, l'objectif c'est d'améliorer la formation en continu des cadres d'État et de mieux les accompagner dans leur parcours professionnel et dans leur trajectoire. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de participer avec vous, de témoigner de l'expérience qui est la mienne sur ces sujets du sport et de l'écologie et de mettre en perspective surtout parce que les enjeux sont énormes.
merci. Et donc Future Sport, c'est une association qui souhaite mettre en place la jeunesse et le sport au niveau national, mais aussi territorial. Et donc l'objectif de l'association, c'est d'œuvrer à la coordination, à la concertation des acteurs jeunesse et sport et de mettre en lumière ces offres qui sont souvent difficilement visibles ou accessibles. Et donc on organise par exemple des consultations pour aider à la mise en place des décisions et de la mise en place de décisions communes. Le but, c'est aussi de mettre en lumière ces jeunes sportifs talentueux pour les aider dans leur objectif olympique, avec en perspective les JO de Paris 2024. Donc plus que tout, Future Sport, ça s'adresse à toutes et tous, et d'où la mise en place de ces tables rondes pour donner la parole au plus de monde possible. Donc il y aura une première partie qui sera une première partie qui aura vocation à présenter le rapport que les quatre intervenants entretiennent avec le sport et l'écologie en fonction de vos parcours respectifs. Et il y aura une seconde partie où on verra tout ce que vous mettez en place pour agir et sensibiliser auprès du plus grand nombre possible. Et enfin, il y aura une dernière partie avec les questions. Et c'est tout simple pour les questions. Il suffit juste d'écrire vos questions en commentaire. Et ensuite, on pourra les reposer aux intervenants à la fin. Donc, Yann, on va commencer avec toi. J'aimerais tout d'abord savoir comment ta carrière d'athlète, ton poste de directeur sportif de l'équipe de France et enfin ton parcours en politique t'ont mené à toucher du doigt l'écologie et à quel moment tu as été sensibilisé pour la cause environnementale. Je crois que depuis tout jeune, j'ai été sensibilisé par mes parents, par cet enjeu majeur. J'ai eu la chance d'avoir des parents très sportifs. C'est eux qui m'ont impulsé cette dimension du sport. C'est eux qui m'ont même appris la gymnastique dans les premières années. Et puis, ils étaient grimpeurs. Et je passais tous mes week-ends à l'extérieur, à aller grimper au milieu de la nature. Ils étaient bio dans leur fondement et dans leur structuration. Ils étaient végétariens. Donc, depuis le début, mon plus jeune âge, j'ai été élevé et sensibilisé aux enjeux de l'environnement, à nos ressources, à la manière de manger et de s'alimenter. Et ça s'est construit avec le temps, ça s'est construit dans mon parcours d'athlète, puisque quand on est gymnaste, notre principal outil de travail, c'est notre corps, et qu'on est obligé de faire attention à la manière dont on mange, à la manière dont on dort, pour faire en sorte que la machine fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagné tout au long de mon parcours de vie, à la fois de manière éducative aux côtés de ma famille et de mes parents, ensuite dans mon parcours de sportif et de gymnaste, et puis ensuite sur le troisième volet, sur l'engagement politique et citoyen, quand j'ai porté le sport et les grands événements ici dans cette grande ville de Lyon, évidemment que l'objectif était de mettre les gens en mouvement, de les inciter dans un souci de santé publique pour éviter la sédentarité, faire en sorte qu'ils puissent mettre leurs baskets, qu'ils aient envie de se déplacer en marchant, en courant, peu importe, mais essayer de les mettre en mouvement. Donc, c'est à travers ces trois prismes, finalement, que j'ai été sensibilisé aux enjeux environnementaux, aux enjeux écologiques. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les marches à franchir sont encore grandes, les enjeux majeurs. Et c'est que parce que tout le monde se mobilisera dessus qu'on arrivera à y répondre. D'accord, merci. Et du coup, il y a Louise qui, elle, s'est engagée avec l'association Zéro Mégot, qui est une association initiative coup de poing, ayant pour but de sensibiliser sur le simple fait qu'un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau et met plus de 10 ans à se détériorer, et que même 67% des mégots finissent échoués dans la nature, on va dire. Alors, je voulais savoir, Louise, comment est née cette association et comment vous êtes dit, maintenant, c'est à nous d'agir et c'est à nous de montrer que voilà, l'écologie, c'est important, l'environnement, c'est important, et que même en étant passionné de sport, on peut mettre des choses en place. Et voilà, comment tu t'es sensibilisé, comment tu as pris conscience, comment tu as eu une conscience environnementale, on va dire. Je dirais qu'en fait, avec donc Chloé, Lucas et Mathieu qui portent ce projet avec moi, donc on est tous les quatre nageurs depuis longtemps. Et donc l'eau, et plus particulièrement quand on nage en eau libre, c'est vraiment notre terrain de jeu, comme parlait Maxime dans l'introduction. Et donc, en fait, nous, on est habitués à nager dans les parcs, là où c'est possible. Et on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, le sport et aussi l'aventure étaient vraiment un bon relais pour véhiculer certains messages. Donc,
passé, tous les quatre, on a mené des petits projets. Donc, mes trois compatriotes ont traversé le détroit de Gibraltar pour commencer à parler de la pollution des microplastiques. Avec Chloé, on a traversé le lac Léman à la nage pour parler d'égalité dans le sport. Et on s'est vraiment rendu compte qu'une aventure sportive un peu folle, comme peut l'être ce qu'on est en train de monter avec Zéro Mégo, peut vraiment faire passer des messages forts. Et donc, ensuite, en s'intéressant plus particulièrement sur les déchets qui étaient présents dans nos océans, on a creusé le problème des mégots de cigarettes, et c'est tout simplement le premier déchet en quantité qu'on retrouve dans nos océans. Et tu l'as très bien dit, un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Et donc, en fait, pour nous, c'est vraiment le moyen, à travers cette aventure sportive, de retracer ce parcours symbolique, donc d'un mégot qui tomberait dans la capitale de Paris jusqu'à Deauville, donc jusqu'à la mer. Et donc, ça, c'est l'aventure sportive. Et à travers cette aventure sportive, on met en place des événements, comme par exemple la veille du départ. On veut organiser à Paris le record du monde de collecte de mégots dans les rues de Paris pour ensuite recycler ces mégots et en faire des plaques de sensibilisation qu'on installera dans la capitale. Donc, c'est vraiment toute une aventure qui a pour but d'embarquer les Français sur cette thématique qui est assez peu connue, en fait, assez peu médiatisée, parce que tout simplement, en fait, certaines personnes ne sont pas au courant de la pollution que génèrent les mégots de cigarettes. Et donc, c'est vraiment juste engager les Français sur un geste simple, leur mégot, le jeter dans la poubelle et ne pas le jeter dans la rue. D'accord, merci. Du coup, Andreas, toi, tu es au sein d'une grande association et je voulais savoir, voilà, comment on sait que notre génération est bien plus mobilisée et même sensibilisée aux causes environnementales. Et est-ce que la mise en avant de l'écologie, ça devient un paramètre indispensable dans la manière de concevoir et de faire évoluer la Nestaps? Tout à fait. Donc, pour commencer mon propos, je m'appuierai sur une étude qui a sorti le REFET, qui est une association nationale qui traite de toutes les thématiques du développement durable, qui a sorti une étude montrant que plus de 81% des étudiants étaient sensibles à cette thématique environnementale et qui voudraient déjà avoir plus de cours de ces thématiques-là au sein de leur cursus. Donc, ça montre déjà que la jeunesse est vraiment investie autour de cette thématique-là. D'autant plus que les plus jeunes, donc que ce soit les élèves des écoles primaires et du second degré, eux vraiment sont demandeurs de toutes ces activités de sensibilisation à cette thématique. Au-delà de ça, pour revenir aux activités physiques et sportives, on arrive à un constat où, de toute façon, le sport, donc que ce soit par les grands événements sportifs qui sont organisés ou les pratiques dites plus libres et les sports de nature, ont un impact sur notre environnement. Mais ce que les gens commencent à comprendre, et ce que la jeunesse essaie de mettre en avant, c'est que le dérèglement climatique va également avoir un impact sur les pratiques. Pour donner un exemple très rapide, prenons le foot, qui est l'activité physique et sportive la plus pratiquée en France. Si, comme l'annonce le GIEC, est en 2030, on est à plus 2 degrés, plus 3 degrés, et ben les différents terrains ne seront plus accessibles et ne pourront pas accueillir cette pratique. Et on se retrouvera avec une pratique qui sera sur des terrains stabilisés. Donc c'est tout ça, c'est pour montrer que vraiment la jeunesse se rend compte de l'impact que va avoir le dérèglement climatique et que malheureusement, on se retrouve à devoir faire avec toutes ces choses-là qui viennent un peu des générations antérieures à la nôtre. Et c'est pour ça qu'on voit la jeunesse d'autant plus se mobiliser, notamment lors du projet de loi climat qui est sorti avec plus de 10 jeunes qui sont restés pendant des semaines et des semaines devant l'hémicycle afin de traiter avec les différents députés. D'accord, merci. Et du coup, c'est la transition parfaite pour parler de Maxime et de son association Wildrun. C'est une association de parcours urbain, et donc l'ADN du parcours, c'est tout simplement d'utiliser le mobilier urbain pour aller des figures et des tricks, comme tu l'as expliqué plus tôt. Et voilà, comment tu as été sensibilisé à la pollution? Est-ce que c'est juste le simple fait de faire du parcours, d'être dans la rue, justement, au plus près des gens qui jettent leur mégot, par exemple, comme essaye de le dénoncer, comme le dénonce Louise? C'est comme ça que tu as été vraiment sensibilisé. C'est pour ça que l'association, tu mets en place des actions pour ramasser les déchets, par exemple, etc. Ça t'est venu comment? Je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, effectivement, je rejoins Yann sur l'éducation. Enfin, moi, toujours dit, depuis que je suis petit, sans forcément tomber non plus dans le fait de devenir végétarien ou ce genre de choses, mais on m'a toujours dit, voilà, ne jette pas tes déchets par terre, t'attends de trouver une poubelle, le tri sélectif et tout ça, ça fait partie de mon quotidien, en fait. Donc, je pense que ça joue déjà un atout majeur. Et je m'en suis vraiment rendu compte et j'ai commencé à agir effectivement en commençant le parcours dans la ville de Montpellier et en tombant sur des spots où ça devenait même dangereux de pratiquer tellement il y avait de déchets au sol, tellement ça glissait, tellement c'était sale par terre, quoi.
Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas, on peut pas laisser ça comme ça. Même à la, pour vous dire, même à la plage, on arrivait à tomber sur des déchets où on se disait, mais c'est pas possible, comment c'est arrivé là? Et à partir de là, on a commencé à rencontrer, on a rencontré du coup une membre de l'association Surfrider, que je salue d'ailleurs s'il regarde ce live, qui nous a proposé de participer à des collectes de déchets sur la plage. Ce qu'on a accepté justement parce qu'on trouvait le concept génial. L'idée c'était de faire une petite vidéo collecte de déchets et parcours. Donc se servir un peu de l'influence du parcours en ce moment sur les réseaux sociaux pour faire passer justement ce message de quand vous allez à la plage, prenez un sac et ramassez les déchets que vous trouvez sur votre route. Ça ne coûte rien, ça prend pas de temps et franchement, si tout le monde fait ça, on va arriver à avoir des résultats très probants, quoi. Ouais, on voit de plus en plus, au final, on voit de plus voilà. en plus d'actions, de jeunes se développer et émerger un peu partout en France. Et ça, c'est quelque chose de bien. On se rend compte que les choses sont en train de bouger. Et Andreas, toi, ton association, elle est énorme. Elle fédère 130 000 personnes, si je ne me trompe pas. Et voilà, vous travaillez avec le ministère des Sports, de l'écologie, avec des ONG aussi. Est-ce que tu ressens que de plus en plus, il y a un besoin déjà des jeunes qui font partie de l'association d'avoir des actions écologiques? Et est-ce que aussi, vous savez, avec toute la puissance que vous avez, on va dire le fait de pouvoir toucher 130 000 personnes, c'est énorme. Est-ce que vous arrivez justement à faire changer les mentalités ou c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez encore pour réussir à voilà, vraiment créer quelque chose, créer un enthousiasme derrière l'écologie? Alors, tout à fait. Donc, pour savoir, 130 000, c'est un chiffre énorme. Donc, en fait, on a plus de 45 associations qui sont adhérentes à notre association, donc qui sont un peu réparties sur toute la France. Donc, c'est en s'appuyant sur les forces vives de ces associations qu'on réussit à toucher autant de jeunes. Et on voit au fur et à mesure des mandats de nos associations, bah, de plus en plus, il y a des projets autour de l'écologie qui se mettent en place. Donc, que ça aille de la collecte de mégots ou au clean-up qui s'organise après des temps de réflexion, des tables rondes. Donc, on voit que c'est vraiment une volonté de leur part. Après, en cette période de Covid, c'est toujours plus difficile pour nous de toucher nos étudiants et nos associations, même si on a eu réussi à le faire lors de la Semaine nationale du sport et l'environnement, mais je pense qu'on reviendra dessus après. Mais la volonté, c'est de trouver la meilleure façon de les toucher et de les sensibiliser à cette thématique-là. C'est pour ça que tu le disais, nous, on travaille avec beaucoup d'ONG, on travaille avec les ministères, mais on travaille aussi surtout avec le ministère des Sports et bientôt avec du coup le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, afin de mettre en place des formations sur l'environnement au sein des formations dans le champ du sport. Parce que c'est une volonté qui est faite, et c'est aussi comme ça que nous, on arrivera plus simplement à les toucher. Mais au-delà de ça, en cette période de Covid et de crise sanitaire, c'est bien sûr beaucoup plus difficile de les toucher et de les sensibiliser à cette thématique qui est très importante. Du coup, Yann, on voit Louise, Maxime, Andreas qui sont dans des associations de jeunes justement et qui poussent pour sensibiliser tout le monde à l'écologie. Et toi, depuis ton entrée en politique en 2014, est-ce que tu as senti une évolution des mœurs, on va dire, chez les politiciens, dans le discours politicien, aussi dans les actes, et surtout dans les actes d'ailleurs? Sur ce sujet, moi je ne suis pas un homme politique comme les autres, dans le sens où je ne me suis jamais prédestiné à faire de la politique. C'est vraiment le fil conducteur de ma carrière d'athlète qui m'a amené à porter une politique sportive dans une ville, mais ce n'est pas une aspiration première pour moi que de faire de la politique. Mais ce que j'ai aimé dans cette expérience du mandat précédent, c'était justement pouvoir répondre à des enjeux. Alors là, on est sur des enjeux écologiques, de transition écologique, d'environnement, de préservation des ressources et de la biodiversité. Donc, c'est des choses qui, sur un mandat local, sont palpables et qui, dans diverses actions, peuvent être mises en place efficacement et encore plus dans le sport. Ce que je crois, c'est que c'est des sujets, en tout cas à Lyon, dont on avait connaissance, on s'en est emparé depuis longtemps. Au début des années 2000, on a inventé Vélov, avant le Vélib à Paris, pour justement essayer de développer les mobilités douces. On a essayé de favoriser la marche à pied. Donc, c'est des sujets qui sont là depuis longtemps, mais on communiquait pas forcément dessus. C'était quelque chose qui se faisait naturellement. Mais on voit que depuis un certain nombre de temps, il y a cette vague, cette montée en puissance, ces enjeux, et donc il faut accélérer en la matière. Et c'est là où les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Ce qui me semble aussi intéressant de dire, hein, au moment de cette table ronde,
parce que le sujet qui nous réunit, c'est le sport, qu'on a évoqué les adhérents des différentes associations. Mais je pense qu'il est important, quand on parle du sport, se dire qu'il y a à peu près 40 millions de pratiquants en France. Il y a à peu près 16 millions de licenciés et environ 2,5 millions d'événements qui sont organisés tout au long de l'année. Et donc, quand on parle de ces enjeux, qui sont pour moi une vraie problématique de santé publique, il y en a deux. Il y a un double enjeu. À la fois, préserver la santé de l'homme avec un grand H, qui est une nécessité absolue, et préserver la santé de la planète. Et c'est là où le sport doit prendre sa part. Elle doit prendre sa part parce qu'elle a sa responsabilité première. À travers la pratique sportive, il y a des déchets, il y a des consommations d'eau et d'énergie, il y a un certain nombre d'émissions de gaz, donc elle doit prendre sa part pour répondre à ces enjeux-là. Mais il y a aussi ce pouvoir assez universel qui est en lien avec l'éducation des jeunes, qui doit être un exemple à suivre. Et je crois que là, on a un vrai levier pour toucher et sensibiliser les gens, pour que justement ils changent leurs habitudes, ils changent leurs réflexes et qu'ils apprennent à mieux préserver nos ressources et à prendre soin de leur santé, mais aussi de la santé de notre planète. Du coup, c'est justement un levier qui est en train d'être levé petit à petit et qui prend de plus en plus d'importance aussi, parce qu'on se rend compte que voilà, que toutes les personnes qui sont ici présentes font du sport de leur activité principale, on va dire une de leurs passions du moins, et font de l'écologie un cheval de bataille. Et c'est ce qu'on voit avec Louise, zéro mégot. Tu as prévu de battre le record du monde de collecte de mégots. Et donc voilà, c'est battre le record du monde de collecte de mégots, c'est faire un buzz. Et c'est voilà, il y a beaucoup de monde qui va en parler, les médias vont en parler, et ça va permettre de donner de la visibilité à cet acte. Et justement, de créer une émulation, on va dire, pour par exemple, quelqu'un d'autre voudra rebattre le record du monde juste derrière toi. Et du coup, voilà, ça va entraîner un effet boule de neige. Et tu comptes rassembler combien de personnes à peu près à cet événement? Tu as une idée? Il faut allumer ton micro. Pardon. Comme tu l'as dit, le samedi 29 mai, dans les rues de Paris, on compte battre le record du monde de collecte de mégots. Donc c'est un événement qui est totalement rattaché à notre aventure sportive qui prendra, on partira le lendemain. Alors c'est pas un record qui est très, c'est un record symbolique, mais qui est assez triste, on va dire, de parler de ça. Je pense que tout à l'heure, donc Maxime parlait de Surfrider, donc on co-organise cette collecte de mégots avec Surfrider Paris, et on se rend compte vraiment, Andreas, tu parlais de la crise sanitaire qu'on connaît depuis un an et demi, et forcément c'est compliqué d'impliquer les gens sur ces thématiques. Mais je pense que c'est aussi un levier et une opportunité. Alors il faut trouver le bon moyen, mais les gens ont ce besoin aussi de voir d'autres choses, de s'impliquer dans d'autres choses. Leur quotidien est complètement bouleversé depuis un an et demi. Et donc on se rend compte, nous, sur l'organisation spécifique de cette collecte, qu'on peut en fait impliquer un grand nombre de personnes. Donc nous, on va travailler pour impliquer toutes les associations environnementales de Paris qui souhaitent se joindre à nous sur cet événement, mais également les écolycées de Paris, les associations universitaires, les citoyens. Le but, c'est vraiment de rassembler un maximum de monde, de faire une opération un peu coup de poing, comme tu l'as appelé, et qui serait assez médiatisée. Mais c'est aussi plus largement de rassembler du monde autour d'une opération. Et de sensibiliser du coup davantage sur ce sujet. L'objectif final étant bien sûr de recycler ces mégots pour en faire des plaques de sensibilisation qui par la suite en fait continueront de sensibiliser les gens quand ils la croiseront dans la rue. Et donc pour répondre à ta question sur le nombre de personnes, donc on souhaite collecter 1 million de mégots. Et donc pour cela, on aimerait rassembler un peu plus de 500 personnes sur 3 heures sur la journée du samedi 29 mai. Ok. Et on a vu aussi des youtubeurs se jeter aussi à l'eau et en se lançant ce genre de défi, en rameutant leur communauté derrière eux. Et toi, Maxime, tu as aussi décidé avec Wild Run de te servir de ta communauté pour entraîner tout un tas de personnes derrière toi et mettre en place des actions environnementales. Est-ce que tu peux nous parler de ces actions que tu as mises en place? Bien sûr. Alors, je pense que du coup, la seule grosse différence que je vais avoir, c'est que je vais pas, comment dire, je peux être conscient que les gens ne vont pas vouloir changer leur manière, leur fonctionnement de vie, en règle générale, pour faire de l'écologie. Par contre, on essaie vraiment de montrer des gestes simples qui sont accessibles à tous et qui, en fait, qui ne changent rien,
Sauf voilà, prendre un sac par exemple pour aller quand on va à la plage, et si jamais on tombe sur des déchets sur notre route, se baisser, les ramasser. Ces petites actions qui coûtent vraiment pas grand chose, qui prennent pas plus de temps finalement que d'aller à la plage sans rien faire, mais qui permettent au fur et à mesure d'avoir une réelle influence. Donc on va par exemple parler de ça. Récemment aussi, on a mis des stories en expliquant, voilà, limiter les bouteilles d'eau, prendre des gourdes, parce que c'est pareil, ça ne change rien, ça modifie absolument pas la vie de personne, mais pourtant ça a une action écologique. Après, tout ce qui est éteindre les lumières, c'est des petites actions simples, mais qui ont leur impact. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais t'as fait quoi exactement sur tes vidéos par exemple, t'as fait quoi d'autre? Alors là, actuellement, avec l'association, du coup, on a fait collecte de déchets sur la plage à deux reprises avec Surfrider. On a nettoyé une forêt, du coup, du côté de Montpellier aussi, nettoyage de forêt, pareil, collecte de déchets dans la forêt. On a participé également à l'initiative Light Off, qui a pas mal buzzé ces derniers temps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'idée, c'est d'éteindre en fait les enseignes lumineuses qui restent allumées la nuit, pour rien, puisque avec le couvre-feu, de toute façon, personne ne passe dans les rues. Et voilà, là c'est le gros de ce qu'on a fait. Après, tous les jours, voilà, quand on fait des petits entraînements, on a toujours le petit sac poubelle pour ramasser les déchets. On a toujours, toujours ce petit réflexe finalement qui change la donne. Et toutes ces actions, du coup, elles sont mises en vidéo ou pas? Est-ce que vous... Tout à fait, ouais. Ouais. En général, on essaie de faire au moins une vidéo par. À chaque fois qu'on fait une nouvelle action, on fait une vidéo pour essayer d'en parler, de montrer à notre communauté que c'est faisable. Et que ça peut être fait aussi de manière fun, puisqu'on essaie vraiment de transmettre cette vision des choses, mais de manière ludique, pour pas que les gens voient l'écologie comme une contrainte, mais plus comme une manière un peu différente de faire, mais finalement qui est pas si mal non plus. Ça peut être un terrain de jeu qui sert à faire du sport aussi. Tout à fait, exactement. Et du coup, exactement. En janvier dernier, avec l'ANESTAPS, vous avez organisé la première édition de la Semaine nationale du sport et de l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée cette semaine? Qu'est-ce qui a été mis en place? Quels acteurs ont été impliqués? Voilà, comment ça s'est déroulé? Totalement. Donc, c'était la première édition de notre projet au niveau national, donc qui était appuyé. On le remercie par notre partenaire l'AMAIF, qui nous a permis, qui a surtout permis à nos associations sur le territoire de pouvoir mettre en œuvre des activités de sensibilisation au sein des écoles, du coup, des établissements du premier et du second degré. Donc, l'objectif est simple. Utiliser l'activité physique et sportive pour sensibiliser à une thématique, et dans ce cadre de ce projet, la thématique des enjeux environnementaux et de l'écologie. On le voit, plusieurs fédérations ont des programmes éducatifs qui utilisent le sport pour les sensibiliser leurs plus jeunes licenciés à diverses thématiques. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on a voulu cibler directement ces établissements scolaires. Donc suite à cette semaine-là où plus de 15 associations, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure avec la crise sanitaire, c'était compliqué de mobiliser toutes nos associations, donc on en a quand même une quinzaine qui ont pu se mobiliser et qui se sont investis de ce projet-là et qui sont directement allés dans des établissements pour mettre en place, pour donner des exemples très rapidement, des relais tri déchets pour expliquer quels déchets devaient aller à quel endroit, des slaloms pour expliquer la gestion de l'eau, l'utilisation du basket pour expliquer un peu plus l'utilisation de l'énergie, comment garder tout ça. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'inculquer des bonnes habitudes directement à ces jeunes. Donc, que ce soit en termes de gestion de l'eau, comme on l'a dit, gestion de l'énergie, ou même directement de la consommation. Parce qu'on le sait, au niveau des publics les plus jeunes, c'est cette consommation-là qui n'est pas en lien et qui n'est pas adéquate avec les enjeux environnementaux. Donc, ça, c'était sur toute la semaine. Et à la fin de la semaine, donc le vendredi, on a pu organiser une table ronde comme là, on est en train de l'organiser, pour expliquer si le sport et l'environnement étaient une relation durable ou non. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Donc suite à ce projet, on a continué nos échanges avec les chargés de mission du ministère des Sports sur la thématique environnementale, et on va être mis en lien avec le ministère de l'Éducation nationale pour vraiment que cette semaine-là soit ancrée dans le plus d'établissements scolaires possible pour sensibiliser un maximum de jeunes. Car pour revenir, nous, on s'est appuyé sur l'expertise de nos étudiants en STAPS, qui sont de travailler grâce au sport et de le faire pratiquer. Du coup, le but, c'était de sensibiliser les plus jeunes et aussi de mettre en place du sport, mais ludique,
allier sport et écologie, en fait, on se rend compte avec vous quatre que c'est quelque chose de possible, largement réalisable, et que c'est pas quelque chose de si difficile que ça à mettre en place. Il faut juste beaucoup de volonté, on va dire, et beaucoup de motivation derrière. Tout à fait. Ouais. Si je peux me permettre juste une chose qui est importante que j'ai oublié de dire, et ça pourra aussi donner la parole à Louise, le plus important lors de cette semaine-là, c'est aussi de mettre en avant les acteurs territoriaux, donc qui œuvrent directement tous les jours sur cette thématique environnementale. Donc peut-être que l'année prochaine, vu que Louise, j'ai cru entendre que tu es originaire de Lyon, ça se trouve que notre association lyonnaise se rapprochera de Zéro Mégot pour que Zéro Mégot puisse s'investir de ce projet-là au sein d'un établissement pour sensibiliser aux mégots, etc. Donc ça sera peut-être plus sur des publics du collège et du lycée que des écoles primaires, mais ça reste toujours intéressant. Donc la transition est toute trouvée pour passer à Louise. Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser comment va se dérouler cette traversée à la nage qui va durer une semaine, si je ne me trompe pas? Comment vous allez vous répartir les relais déjà, et quel dispositif va-t-il être mis en place pour cette semaine de natation intense que vous avez prévue? Tout à fait. Je vais juste rebondir juste avant sur du coup ce que vient de dire Andreas, sur du coup l'implication des plus jeunes. Nous, dans le cadre de Zéro Mégot, on est en train de monter un kit pédagogique. On pense que la thématique de la pollution, et plus particulièrement dans notre cas des mégots de cigarettes, peut être traitée du coup même dans les écoles primaires. Donc on est en train de monter un kit pédagogique qu'on va remettre à des professeurs des écoles, donc de CM1, CM2. Pour que pendant cette semaine de traversée, ils aient tout un kit donc de vidéos, toujours d'une manière assez ludique, mais pour que les enfants puissent s'imprégner à 9, 10 ans, puissent commencer à s'imprégner de cette thématique, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils en parlent à leurs parents, et qu'on puisse en fait essayer de toucher déjà les jeunes générations. Et je pense que c'est important de le faire alors d'une manière assez simple, avec des petites vidéos, d'une manière 5-10 minutes par jour pendant cette semaine de traversée, mais je pense que c'est quelque chose de très important d'essayer d'impliquer sur ces sujets-là les plus jeunes, et donc les écoles primaires. Et donc pour répondre à ta question, Hugo, sur cette semaine de traversée, donc nous on est 4, et donc on va se relayer donc de Paris à Deauville, donc 380 km de natation via la Seine. Donc comment ça va se passer? Très simplement, on va tous nager donc une heure et se reposer 3 heures. Puisqu'on est 4, donc nager une heure, se reposer 3 heures. On est suivi par une péniche qui nous sert de camp de base. Et donc, jour et nuit, on se relaye. On a toujours un kayakiste à côté de nous pour assurer notre sécurité, puisque la Seine est empruntée par de nombreux bateaux de plaisance, mais aussi commerciaux. Donc en fait, on a vraiment une péniche qui nous suit, où on peut se reposer, où on accueille aussi une boîte de production qui fait un documentaire sur le sujet. Et puis ensuite, on a toujours des kayakistes à côté de nous pour assurer cette sécurité. Et donc, on va se relayer comme ça pendant une semaine de Paris à Deauville. D'accord, Paris à Deauville. Comment vous faites pour que vous soyez mis en valeur? Est-ce que cette initiative, elle aurait été possible sans vos sponsors, par exemple? Je pense que cette initiative aurait été possible. On aurait pu le faire d'une manière très simple, tous les quatre, avec un petit bateau. L'avantage d'avoir du coup des partenaires qui nous suivent et avec qui on collabore, mais vraiment on construit cette histoire, puis qu'ils sont impliqués dans l'aventure d'une manière plus globale, c'est de pouvoir donner vraiment cette dimension médiatique, de pouvoir être suivi du coup par une boîte de production qui va réaliser un documentaire, donc bien sûr sur l'aventure sportive, mais également donner la parole à des spécialistes sur le sujet de la pollution des mégots de cigarettes. Donc je pense que c'est vraiment important sur ces thématiques-là d'écologie, de sport, d'engagement, d'essayer de faire un maximum de personnes, que ce soit des partenaires, des associations, les citoyens, les ministères, on parlait des ministères tout à l'heure. C'est vraiment important d'essayer d'impliquer un maximum de personnes pour prendre en compte les différents points de vue et essayer de construire les histoires et les aventures ensemble. Du coup, la ville de Lyon, est-ce qu'elle a mis en place des actions, par exemple des marches pour ramasser les déchets dans la rue, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pendant que tu travaillais à la mairie de Lyon pour justement sensibiliser la population lyonnaise à l'écologie? La ville de Lyon a pour vocation à accompagner toutes les initiatives
comme celle de Louise, si elle était venue nous la présenter, on aurait accompagné avec grand intérêt. Et c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long du mandat, et c'est ce qui continue à être fait aujourd'hui. Parce que la ville de Lyon n'a pas toujours la force de frappe pour créer elle-même les actions, mais par contre, elle a les leviers nécessaires pour créer les bonnes connexions, mettre en réseau les bonnes personnes pour donner de la puissance et de l'épaisseur à chaque initiative comme celle de Louise, évidemment. Par contre, sur tous les grands événements, comme on en accueillait des nombreux, Tour de France, évidemment, l'Euro 2016 de foot, la Coupe du monde féminine de football en 2019, à chaque fois, on était dans cette logique et cette dimension avec les organisateurs pour les sensibiliser et faire en sorte qu'ils s'emparent de ce sujet intelligemment, en donnant l'exemple, évidemment. C'est pour ça que progressivement, on a fait en sorte de limiter tous les goodies inutiles sur les différentes manifestations pour limiter les déchets, parce que le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. C'est comme pour la cigarette. Si les gens fument moins ou s'ils ne fument pas, il n'y aura pas de mégots par terre. Donc, c'est aussi ça, les vertus du sport. C'est pour ça que moi, je me suis employé très fortement pour essayer d'inciter les gens à se mettre en mouvement. C'était dans mon propos introductif, mais on a créé une boucle qui s'appelle « En forme à Lyon », qui permettait aux gens de faire comme des parcours sportifs urbains, avec des ateliers, avec des points d'intérêt sportifs, mais aussi culturels, pour leur donner envie de se mettre en mouvement et de mettre leur basket. Ils pouvaient le faire en marchant, ils pouvaient le faire en courant, ils pouvaient le faire en fauteuil roulant. Ce qui comptait, c'était qu'ils se mettent en mouvement pour que progressivement, ceux qui ont du mal à être dans une activité physique quotidienne ou en tout cas régulière, on leur mette le pied à l'étrier. Et ensuite, on a nos associations sportives qui prenaient le relais et qui, avec des éducateurs spécialisés, là encore, essayaient de dispenser une activité de qualité. Parce que c'est un cercle vertueux, selon moi. Quand on se met en mouvement, quand on commence à faire du sport, on est plus sensibilisé sur la manière dont on mange, ce qu'on boit, la manière de faire attention à sa santé, donc peut-être de moins fumer. Donc, c'est ce cercle vertueux qu'on a essayé de mettre en place. Et je peux citer un autre exemple qui me tient à cœur, puisque le sujet est autour de la jeunesse, comment sensibiliser ces jeunes pour qu'effectivement, ils aient les bons réflexes et puis qu'en rentrant chez eux, ils donnent aussi des bonnes consignes à leurs parents ou à leur en tout cas à leur famille. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. On a mis en place dans des cours de récréation des espaces qui incitaient à la pratique sportive spontanée. Parce que si on doit changer la manière de faire du sport et acculturer finalement notre société au sport, je pense qu'il y a un enjeu majeur chez les jeunes et notamment dans les cours de récréation qui s'y prêtent parfaitement, et c'est ce type d'initiative qu'on a essayé d'accompagner. Merci. Et du coup, pour tous ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et Yann, tu vas aussi, t'es aussi en train de remettre tes baskets, on va dire, entre guillemets, avec la création, tu es chargé par le ministère de créer l'école nationale l'école nationale de cadre du sport, et je voulais savoir en quelle sera la place de l'écologie et comment quel sera le rôle, on va dire, de cette école. Alors le cadre de ma mission et cette structure là elle n'a pas vocation à répondre spécifiquement aux enjeux environnementaux et écologiques. L'objectif de cette structure, pour faire très court et très simple, c'est d'améliorer la formation professionnelle continue des cadres d'État, donc des agents d'État qui sont placés soit auprès des fédérations avec les équipes nationales, mais aussi sur les territoires autour du développement de la pratique. Donc, la formation professionnelle continue de ces cadres, c'est des gens qui sont expérimentés, qui ont une connaissance assez large du sport. L'objectif est de mieux les accompagner pour qu'ils soient plus performants par rapport aux enjeux sociétaux qui évoluent. Les problématiques d'hier sont pas forcément celles d'aujourd'hui, elles seront pas forcément les mêmes demain. Et donc, j'ai, dans le cadre de cette mission, j'essaye de créer des passerelles avec les différents ministères et en l'occurrence avec le ministère de la Transition écologique pour trouver des formations adaptées qui pourraient servir les cadres sportifs et justement peut-être les impliquer autrement sur le sujet, leur donner un autre regard. Voilà, j'essaie de créer des passerelles dans des domaines de compétences croisés et pluriels entre les différents acteurs dans le champ. On n'a pas entendu ce que tu as dit lors de la dernière phrase.
Ta voix un petit peu a été entrecoupée. J'expliquais juste que j'essayais de créer les bonnes passerelles entre les différents ministères en fonction des compétences et des champs d'expertise de chaque ministère pour que les formations qui sont dispensées dans un ministère puissent bénéficier au ministère des Sports et au cadre sportif pour que demain, dans les missions qui seront les leurs, ils soient mieux armés et répondent mieux à ces enjeux environnementaux. D'accord. Et on sait aujourd'hui que les sportifs ont un aura incroyable grâce notamment au développement des réseaux sociaux, de YouTube. Et là, on se rend compte qu'il y a un réel potentiel pour créer un électrochoc ou une prise de conscience réelle en France. Et donc, voilà, on se rend compte que les sportifs se sont engagés il y a un an à peu près avec l'attaque d'un policier sur un homme noir aux États-Unis. Et on se rend compte que voilà, leur aura est tellement grand, tellement important qu'ils sont capables de faire bouger les masses juste avec un tweet, juste avec une vidéo sur YouTube ou même avec un post Instagram. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas s'il y a un de vous qui veut répondre à cette question, que voilà, il est possible d'imaginer dans un avenir proche les sportifs comme ambassadeurs, on va dire, de la cause écologique parce qu'ils y sont directement confrontés, on va dire. Alors, moi, je peux apporter un élément de réponse. Tout d'abord, WWF France a lancé une campagne il y a maintenant plusieurs mois qui était pas le dernier. Donc, ça veut dire, je ne veux pas être le dernier à m'engager pour la thématique environnementale. Et alors, je ne me rappelle que de Nicolas Karabatic, car je le vois dans le spot, un peu dans la vidéo, l'expliquant. Je ne veux pas dire de bêtises en disant d'autres sportifs, mais ça, c'est déjà le cas. Donc, les sportifs se saisissent de la thématique. Je pense qu'il y a aussi un réel enjeu. Yann, tu parlais de la formation des cadres. Donc, je pense qu'il y a aussi ces cadres-là qui peuvent commencer à former et à sensibiliser les sportifs de haut niveau, ces jeunes qui, du coup, seront les professionnels de demain à ces enjeux environnementaux pour, une fois qu'ils auront cette aura-là, être en capacité de porter le bon discours pour faire avancer la cause environnementale. Mais parmi les sportifs de niveau actuel, il y en a déjà, grâce à cette campagne, pas le dernier, de WWF, que j'invite tous les spectateurs à aller voir. Je vais rebondir sur les propos d'Andreas. Là, par exemple, Yann, vu que voilà, c'est directement lié. Je crois que effectivement, on doit utiliser au bon sens, au sens noble du terme, les sportifs de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou olympiques, pour donner le bon exemple. Je crois que c'est pertinent, ça se fait. C'est peut-être pas assez visible, mais il y a beaucoup de sportifs qui s'emparent de ce sujet-là, qui le font dans une pratique quotidienne. Alors peut-être c'est plus appuyé sur les pratiques en espace extérieur, dans les espaces naturels, je pense forcément à l'escalade, au cyclisme ou autre, mais je pense qu'il y a plein de sportifs qui donnent l'exemple. C'est pour ça que dans moi, la politique sportive que j'ai voulu mener à Lyon, j'ai jamais opposé le sport scolaire, le sport de loisirs associatifs, le sport olympique ou le sport professionnel. Je trouvais au contraire qu'ils étaient vraiment complémentaires, qu'ils se nourrissaient mutuellement, et que les grands clubs professionnels qui sont souvent décriés comme des machines business exclusivement, moi je trouve qu'ils ont aussi cette qualité d'être des locomotives, d'inciter les jeunes à aller pratiquer parce que on s'identifie à eux, parce que c'est des exemples pour nous. Donc à eux après d'être les bons exemples évidemment, mais il faut au contraire utiliser la force et l'aura des sportifs pour sensibiliser la jeune génération. Et je crois que c'est ce que est en train de mettre en place le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à travers cette manifestation d'ampleur qui va arriver dans notre pays en 2024. Ce sera la première fois que une ville organisatrice va à la fois diminuer de 50% les consommations de CO2 et d'émissions de gaz par rapport à l'édition précédente. Ils vont compenser par différentes mesures ce qu'ils n'auront pas réussi à réduire à zéro en termes de neutralité carbone en lien avec évidemment l'organisation de cette grande manifestation. Mais en plus de ça, va aller sur d'autres manifestations pour au contraire rembourser, compenser encore plus que ce que va dépenser en énergie fossile cette compétition. Donc je crois que c'est des exemples comme ça qu'il faut souligner. Aujourd'hui, ça reste exceptionnel. Il va falloir que ça devienne la norme dans chaque manifestation
et qu'on utilise ces grandes manifestations à Aura très médiatiques pour que tout à chacun puisse s'emparer de ces sujets. Merci. Ensuite, j'ai une autre question qui est plus ouverte, à laquelle vous allez tous pouvoir répondre, parce qu'elle implique une réponse, c'est une réponse assez large et chacun peut avoir sa vision là-dessus. Est-ce que vous pensez que le déclencheur de la sensibilité écologique doit avoir lieu par des initiatives qui sont locales, donc on part du local pour arriver au national, voire au mondial, ou que ces initiatives écologiques doivent d'abord être mises en place au niveau national pour avoir des répercussions après au niveau local? Autrement dit, c'est est-ce que les prises de décision, les prises d'initiative doivent avoir lieu au niveau local ou d'abord au niveau national? Je ne sais pas, Louise, est-ce que tu veux commencer à répondre? Peut-être, oui. Donc, je pense que les projets ou les initiatives au niveau national, forcément, vont être peut-être plus médiatisés que des initiatives de plus petite ampleur. Après, je pense que les citoyens se sentent peut-être plus impliqués sur des initiatives locales. Je prends par exemple l'exemple de Zéro Mégot. Nous, du coup, on a décidé de retracer ce trajet symbolique de Paris à Deauville. Et on se rend compte que quand la problématique est locale et précise, les gens se sentent peut-être plus impliqués. Donc, je pense que les deux leviers sont importants et sont différents, mais qu'il ne faut pas oublier, du coup, les initiatives locales qui sont un bon moyen d'impliquer les gens assez, assez facilement. Maxime, tu souhaites rebondir là-dessus? Alors, oui, je peux rebondir là-dessus parce qu'effectivement, nous, on a fait plus des actions locales que nationales, en tout cas pour l'instant. Sachant que c'est des projets qui peuvent être mis en place, notamment avec vous, du coup, avec tous les contacts qu'on a trouvés grâce à cette table ronde. Mais nous, par des actions locales, on a réussi à toucher quand même une grosse, grosse communauté, notamment avec l'initiative Light Off sur TikTok, qui a vraiment, vraiment buzzé. Donc, TikTok, ça reste une communauté très jeune, mais la vidéo a fait plus de 200 000 vues, donc elle a quand même fait le tour. Je pense qu'elle a été vue nationalement. Voilà. Donc oui, finalement, par des initiatives qui peuvent être bien tournées, bien amenées, on peut quand même toucher une cible beaucoup plus large que la région dans laquelle on a effectué cette action. Moi, je peux peut-être dire un court mot sur le sujet, Hugo. Je pense que évidemment qu'il faut des actions nationales, même internationales. On parlait des Jeux Olympiques. Quand ça prend cette dimension, c'est essentiel de pouvoir l'utiliser au bénéfice de ces enjeux. Les actions locales, toutes celles qui sont évoquées et qui ont lieu tous les jours, elles sont essentielles. Mais en fait, on aura réussi quand les initiatives, elles seront individuelles. L'enjeu, il est là, c'est comment on réussit demain à ce que chacun, dans son propre quotidien, fasse attention à tous ses faits et gestes. Voilà, sans forcément se priver. Moi, je crois en l'écologie positive, celle qui nous restreint pas, qui limite pas nos libertés. Mais quand individuellement, on aura cette conscience, qu'on aura les bons réflexes, je suis sûr que tout le monde s'en portera mieux. En fait, il faut une réelle interdépendance entre des actions nationales, locales, pour créer cette conscience, pour qu'ensuite, ça devienne plus qu'un réflexe d'agir en jetant, par exemple, son mégot par terre, ses déchets, en faisant le recyclage, etc. Et Andreas, tu penses quoi par rapport à ce que vient nous apporter Yann ? Alors, pour reprendre, enfin, j'ai pas envie de paraphraser Yann, mais nous, à la Nostabs, on est convaincus que, en fait, c'est les dynamiques locales et c'est les initiatives locales qui sont vraiment les plus importantes, avec toujours une cohérence au niveau national pour apporter un peu le même discours partout, car l'importance et la plus-value des acteurs locaux, c'est qu'ils sont moins impactés par les lobbying économiques et sociaux qui, du coup, influent plus des grandes structures, et là vu qu'on parle vraiment du sport, les grands clubs sportifs, donc c'est tout de suite beaucoup plus facile. Après, faut comprendre aussi que malheureusement, le monde sportif, on va avoir des limites, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir toucher tous les aspects de notre société afin de sensibiliser sur tout, même si c'est la volonté que nous avons. Et il faut aussi entamer un travail plus politique et faire du lien, que ce soit avec nos députés et nos sénateurs qui feront voter des lois qui, eux, permettront de vraiment faire bouger quelque chose au national. Donc voilà un peu comment nous, on voit les choses au niveau de la Nostabs, même si on pense vraiment que les différentes fédérations sportives doivent être et accompagner
les différents acteurs locaux, parce que malheureusement, l'exemple de Zéro Mégot est vraiment important. Comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit que l'action qu'elle a été mise en place sans les partenaires, elle n'aurait pas forcément eu la même ampleur, même si le projet aurait eu le même. Et c'est pareil pour un petit club, imaginons du fin fond de la Lozère. S'il fait une action environnementale, tout de suite, s'il a le soutien et l'appui de sa fédération, forcément, il sera plus gros et sensibilisera plus de personnes. C'est notamment pourquoi le CNOSF a relancé son label Développement Durable, Le Sport S'Engage, pour continuer à valoriser ces initiatives-là. Mais les deux, forcément, comme a très bien dit Yann, ils sont forcément interdépendants les uns des autres. Merci. Donc, on en a fini pour les questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou des questions à poser aux autres participants? Je ne sais pas. Sinon, on peut passer directement aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. Peut-être rebondir sur ce que disait Yann tout à l'heure. Concernant le fait que finalement le sport doit être accessible à tous et que c'est vraiment finalement plus un style de vie que le fait juste de faire du sport. Parce que ça touche vraiment aux valeurs en fait, qu'on essaye de transmettre, justement, montrer que le parcours, c'est quelque chose qui paraît, quand on le voit comme ça par des professionnels inaccessibles, on se dit mais jamais on fera ça de notre vie. Alors qu'en fait, c'est juste un investissement, se donner le premier coup de pied pour rentrer dedans. Et une fois qu'on est dedans, mais c'est que du bonheur, quoi. Et ça s'apprend très, très vite. Chacun à son niveau, chacun avec ses forces et ses faiblesses, bien sûr. Je pense que c'est l'avantage aussi de ce sport, c'est qu'il est tellement libre que chacun y trouve son compte. Et donc, on essaie vraiment de rebondir justement sur les valeurs et les avantages de ce sport pour prouver en fait à tout le monde que n'importe qui peut pratiquer à sa manière ce sport et se bouger, sortir et kiffer. Voilà, c'est la petite parenthèse. Le sport comme un mode de vie qui deviendrait tout simplement quasiment inné, quoi. Juste se donner le premier coup de boost pour réussir à se mettre au sport et après tout en découlerait de source, on va dire. Et il y a une question dans le chat pour Louise. Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres projets après la nage pour sensibiliser encore davantage tous les gens à la pollution du mégot ou à d'autres pollutions, par exemple? Est-ce que tu as d'autres projets? Je pense que tous les quatre, en travaillant depuis un an sur cette initiative, donc Zéro Mégot de Paris à Deauville, on s'est vraiment rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que l'aventure est un bon moyen de raconter une histoire et de soulever certaines problématiques. Donc pour l'instant, on se concentre vraiment sur ce projet et sur cette thématique du mégot de cigarette. Ensuite, on est tous les quatre des passionnés de natation et d'aventure plus globalement, donc bien sûr on se ferme pas les portes à peut-être repartir sur une autre aventure, peut-être un autre sujet environnemental à soulever, mais qui serait toujours du coup dans cette thématique de lier aventure et écologie au mieux possible. Dans la présentation, tu nous avais parlé de grandes traversées que vous aviez fait par binôme, il me semble. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu, nous raconter ces grandes aventures? Tout à fait. Donc en fait, moi, je suis originaire, j'ai grandi à Lyon, mais je suis originaire de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc j'ai grandi au bord du lac Léman en partie. Et donc toute petite, j'étais au bord du lac Léman et mon plus grand rêve en tant que jeune nageuse de 5-6 ans, c'était de me dire un jour, je vais pouvoir traverser ce lac à la nage. Et je me rappelle, à 5 ans, je disais à ma maman, tu sais, un jour, je traverserai ce lac à la nage, du coup, de la Suisse à la France. Et donc, à 18 ans, avec ma cousine, on a sauté le pas. Et donc, on a traversé de Lausanne à Évian-les-Bains, donc de la Suisse à la France. C'est 14 kilomètres à la nage. Et moi, c'était pour beaucoup une action un peu anodine, mais pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant. Et donc, on a essayé de lier un sujet, en fait, de parler un peu d'égalité dans le sport. Après, ça a été vraiment, on va dire, dans un second temps. Et on a vraiment compris peut-être qu'on pouvait lier, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on pouvait lier aventure et soulever une problématique importante. Et donc, par la suite, mes trois coéquipiers, donc Mathieu, Chloé et Lucas, l'année dernière, ont traversé le détroit de Gibraltar à la nage et ont commencé à parler du coup des microplastiques présents dans les océans. Et je pense que c'est à la suite de ces deux traversées qu'on a décidé tous les quatre de monter un projet d'une autre ampleur qui serait sur le long terme, et on pourrait vraiment parler d'une cause qui nous tient à cœur et impliquer les gens dans cette aventure, les embarquer avec nous dans ce parcours totalement fou, mais qui essayer de sensibiliser certaines personnes
sur un sujet précis et local. C'est quand même beau d'avoir réussi à réaliser ses premiers rêves si jeunes, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a une autre question d'Amaury. Pour toi, Yann, penses-tu que le développement de ces initiatives ne doit pas directement être engagé, être mis en place par les fédérations? Mais les fédérations, elles le font. Elles le font chacune à leur niveau, en fonction des spécificités de leur discipline. Je peux donner un exemple que j'ai en tête de la Fédération française de tennis, qui chaque année recycle des millions de balles de tennis usagées pour faire des sols sportifs. Je pense que ça, cette économie circulaire, elle est essentielle, et que de plus en plus, il va falloir s'en emparer. Il y a du mobilier traditionnel qui est fait avec des produits recyclés, des cordes d'escalade, des voiles de parapente, des anciennes planches de skate. Donc, il y a toute cette dimension. Je crois que les fédérations s'en emparent, chacune à leur niveau. Aujourd'hui, on allume la télé, il n'y a pas une seule publicité qui ne parle pas de ces enjeux environnementaux et de l'écologie. Moi, je crois que c'est… je mise en fait pas sur la contrainte pour répondre à ces enjeux. Je pense que les gens sont sensibles à ce qui se passe, que les industriels vont apporter de l'innovation dans leurs projets et apporter des vraies réponses à ces sujets du XXIe siècle. Et il est essentiel aujourd'hui de faire confiance à cette intelligence collective. Et les fédérations prennent leur part, j'en suis convaincu. Les autres participants, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, va devoir y avoir des lois, on va dire, qui contraignent la population pour réussir entrer, par exemple, dans les accords de Paris pour le climat? Ou vous pensez, comme Yann, que ces initiatives vont se faire petit à petit, notamment par l'innovation, par le développement de tout un tas d'événements, etc. Et que on n'aura pas besoin d'en venir jusqu'à là. Je ne sais pas, Andreas, Louise, Maxime. Ouais. Les deux, juste avant, pour bien être clair dans le propos, les deux sont complémentaires. Moi, je pense personnellement, comme Yann, que finalement, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Vas-y, finis, Maxime, et après, Yann reprendra la parole. Ouais, ok, ça marche. Oui, donc je disais, je pense comme Yann, que finalement, ça va venir petit à petit. C'est de plus en plus présent dans notre environnement général. Je pense que l'écologie, c'est vraiment le sujet phare duquel on parle là en ce moment, que tout le monde parle. Et ça va forcément finir par rentrer à un moment donné dans le quotidien de chacun. Et les gens vont finir par faire attention. Moi, je suis très optimiste, mais j'y crois. Yann, est-ce que tu peux finir les propos que tu avais commencés, enfin la précision? Ouais, excusez-moi, je voulais juste préciser que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en place au niveau politique, au niveau national, international ou local est indispensable, parce que ça trace la voie, ça donne les orientations, mais que la vraie réponse, c'est celle des industriels, des entreprises et du citoyen au quotidien. Voilà. Donc même si je fais confiance en l'intelligence collective, tout ce qui est mis en place est aussi important pour atteindre les objectifs. Merci. Et ensuite, Yann, encore toi, Amaury, avait une deuxième question, ou en tout cas une proposition, j'ai l'impression. C'est après la première question sur le développement des initiatives par les fédérations, il parlait de fonds récompensant les actions éco-citoyennes, comme on peut le retrouver actuellement sur des actions d'inclusion. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse. Aussi, comme tout à l'heure, par exemple, comme tu l'expliquais, il y a déjà des choses qui sont mises en place par les fédérations. Là encore, c'est un sujet majeur et le sport y apporte ses réponses. Donc, je ne sais pas s'il faut que ce soit valorisé avec des bourses ou autre, mais je sais que quand à Lyon, on accueillait des compétitions, on faisait attention à cette dimension-là. Le sport est inclusif par essence, donc il faut que dans les différentes manifestations, on en tienne compte. L'exemple que j'ai cité de Paris 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques en est un parfait exemple, puisque le village olympique il sera accessible à tous,
Et ça n'a pas toujours été le cas. Et une fois que les athlètes auront quitté le village olympique, le site sera lui aussi restera accessible à tout type de population. Donc, je crois qu'il y a ces enjeux-là à travers le sport, à travers les événements. Mais c'est évident qu'il faut s'en servir pour aller encore plus loin, pour que ça devienne quelque chose de naturel. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie ou quand on parle d'inclusion, on est encore sur quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel. On pense même des fois être innovant. Il faudrait que ça devienne la norme. Ensuite, il y a une question d'Agathe qui pose la question: que pensez-vous de la charte éco-responsable pour les organisations d'événements sportifs proposées par la WWF? Est-ce que vous la trouvez accessible à tous les organisateurs? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette charte. Donc, je pense que Yann pourra répondre dessus, mais nous, on a fortement travaillé, on est souvent en échange avec WWF et le ministère des Sports. Donc, déjà, il faut savoir que cette charte-là, elle est à destination des grands événements sportifs, donc à titre international, c'est dit dès le départ. Donc, malheureusement, je ne pense pas, et elle ne s'avance pas qu'elle soit accessible à tous les organisateurs d'événements sportifs, donc même les petites associations, parce qu'il faut bien se rappeler que c'est elles qui sont vraiment le plus importantes dans tout ça. Mais je pense qu'avec des adaptations ou avec un accompagnement vraiment plus spécifique des fédérations, elle pourra le devenir. Mais c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que le CNOSF a lancé son label Développement durable sport s'engage, pour vraiment plus se décliner au niveau local et territorial et venir en complément de cette charte-là. En plus de cette charte, on parle des organisations d'événements sportifs, il y a aussi une charte qui existe pour les gestionnaires d'équipements, qui, elle, est plus accessible pour les différentes mairies et collectivités territoriales. Yann, est-ce que tu souhaites rebondir sur les propos d'Andreas, ou il a tout dit? Moi, je voudrais peut-être insister sur un point. Il l'a bien dit, mais je vais quand même y remettre une petite couche. En fait, il faut pas contraindre les organisateurs, parce que c'est vrai que la plupart des organisateurs, c'est souvent des petites associations avec des bénévoles qui essayent d'être à la hauteur de ces enjeux-là, mais qui en ont pas toujours les moyens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de les inciter à aller toujours un peu plus loin. Et même si on n'est pas à 100% dans la charte, quand on a fait l'effort, il faut au contraire les encourager et pas les freiner dans leur élan. Je pense que c'est le signal qu'il faut essayer de leur envoyer. Il y a Léa qui a posé une question. Bonjour Andreas, vous avez des idées d'évolution pour votre prochaine édition de la semaine du sport et de l'environnement, et pensez-vous faire différemment ? Donc déjà merci Léa pour ta question. Donc on est né qu'à la première édition, donc là en janvier 2022 on aura notre deuxième édition, donc qui nous permettra de continuer à voir un peu dans nos façons de faire comment on pourrait faire mieux, mais pour le moment on espère déjà faire évoluer les différentes pratiques qu'on propose aux différents établissements scolaires. Mais les plus grands axes d'amélioration pour le moment, ça va vraiment être les liens avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi avec l'UNSS. Donc peut-être que dans les éditions, peut-être la quatrième, cinquième, on décidera de vraiment se tourner aussi au niveau du modèle universitaire et peut-être des associations sportives. Mais vraiment, pour le moment, ça reste l'éducation vraiment plus pour les établissements du premier et du second degré. Ensuite, on a une question de Franck qui est à destination de Maxime. Bonjour Maxime, avez-vous, comment vous est venue l'idée de faire des actions écologiques? Quel est le rapport avec votre sport et la communauté du parcours dans le monde est-elle particulièrement impliquée dans l'écologie? Alors du coup, ouais, je vais répondre à cette question. Comme on l'a dit au début du live, l'idée, elle est venue du moment où on a commencé à faire du parcours vraiment en extérieur et à trouver des spots qui étaient vraiment sales et plein de déchets et pollués. Alors on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir. Donc voilà, le rapport direct finalement avec notre sport, c'est l'environnement qui est notre terrain de jeu. Donc on exploite l'environnement pour faire notre sport. Je pense que c'est normal qu'on lui rende l'appareil en le nettoyant dès qu'on peut et de manière bénévole. Pour la question concernant la communauté du parcours dans le monde, savoir si elle est impliquée dans l'écologie,
Alors, dans le monde, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Je ne suis pas suffisamment bien renseigné sur le sujet. En revanche, notre communauté, la communauté du parcours en France, eh ben, j'étais très surpris de voir que finalement, elle est très impactée par nos actions. La première fois qu'on a sorti une vidéo avec une action écologique, c'était un peu en test. On ne savait pas trop comment se placer, comment se situer, si ça allait marcher ou pas, et comment allait réagir la communauté. Et on a eu énormément de retours positifs de personnes qui nous disaient « Mais vous avez raison, il faut nettoyer les spots. Merci d'en avoir parlé. On va maintenant faire comme vous. On va aller avec des sacs poubelles, ramasser des déchets sur les spots. » Donc, on a eu vraiment beaucoup de retours. On a été étonnés de l'ampleur que ça a pris. Ça, c'est quelque chose voilà. Qui fait chaud de se rendre compte que par ces actions, il y a toute une communauté derrière qui suit et qui marche dans tes pas, ouais. Par exemple. Ah, tout à fait. Non, c'est vraiment fou de voir à quel point finalement des petites actions comme ça du quotidien, des petites vidéos qui nous ont pas pris finalement un budget énorme à tourner et qui sont faites rapidement, peuvent avoir un impact aussi positif sur la communauté. C'est vraiment génial, quoi. Ensuite, une question de Clara qui t'est destinée, Yann. Bonjour Yann, vous avez parlé à juste titre des efforts du CEO de Paris 2024, mais ne faut-il pas penser à l'ensemble d'un point de vue écologique, la mise en place des Jeux Olympiques, elle pense notamment au Grand Paris. Faut-il repenser l'ensemble d'un point de vue écologique, la mise en place des JO, je pense au Grand Paris. Alors, je ne comprends pas trop, je pense au Grand Paris. Ce qu'il faut savoir sur les JO, moi, je suis pas acteur, je connais bien Tony Estanguet et bon nombre de personnes qui œuvrent sur ce dossier-là, mais que justement, ils ont voulu des Jeux qui respectent l'environnement. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure et Clara les a entendus. Mais c'est important aussi que vous sachiez que cette candidature, elle s'est gagnée parce que 95% des structures existaient déjà. Donc, on n'allait pas construire des nouvelles infrastructures et donc minéraliser encore plus les équipements. Donc, soit elles existaient, soit elles sont éphémères. Et donc, ça limitait l'impact, évidemment. Et il y a un tas de mesures qui ont été portées par le comité d'organisation pour justement répondre à ces jeux. À ces enjeux, à avoir valeur d'exemple et inciter certainement aussi les jeux qui suivront à faire encore mieux, parce qu'on est toujours dans le sport à la recherche de performance. Il faut aussi que les organisateurs soient dans cette recherche perpétuelle. Voilà, donc on n'a plus de questions. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin, si l'un vous... Peut-être, juste compléter, peut-être je me permets de compléter, excuse-moi Hugo de te couper, mais dans la notion de Grand Paris, il faut aussi avoir en tête que cette candidature, elle s'est gagnée parce que l'objectif était que tout se passe dans une proximité du village olympique. Et donc, c'est pour ça que les épreuves... elle se déroulait pas de partout en France pour limiter aussi l'empreinte carbone des différents déplacements que ça supposerait. C'est aussi pour ça que chaque site sera accessible avec des transports en commun pour éviter justement qu'on prenne la voiture. Donc, c'est toutes ces initiatives qui sont à souligner sur Paris 2024 et qu'il va falloir encore faire évoluer au gré des prochaines éditions olympiques. Voilà, c'était juste un petit complément. Excuse-moi, Hugo. Et je me permets aussi, Hugo, de compléter un peu Yann. Juste, Clara, si tu souhaites en savoir plus un peu sur les engagements de Paris 2024. Donc, ils ont sorti très récemment un livrable avec la ville de Paris et le Grand Paris pour vraiment expliquer comment se déclinent tous ces engagements avec le WWF France. Donc, voilà, n'hésite pas, c'est sur leur site si tu veux en savoir plus. Ce que je disais, c'est qu'on n'a plus de questions dans le live. Donc, si l'un de vous a un mot pour la fin, ça serait parfait. Sinon, je serais obligé de tirer au sort. Oh, s'il faut, je peux y aller. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour remercier du coup l'équipe Future Sport qui était en charge de l'organisation de ce colloque-là pour mettre en avant toujours plus le lien entre l'écologie et la pratique d'activités physiques et sportives. Mais comme Yann le mettait en avant tout à l'heure, plus de 40 millions de Français font du sport. Malheureusement, ce chiffre-là, c'est des personnes qui pratiquent une activité physique
durant l'année. Donc, il y a vraiment un besoin de lutter contre la sédentarité et il se couple avec l'environnement et dans la simple phrase que ça sert à rien de faire du sport pour être en bonne santé si notre planète ne l'est pas. Donc, il faut qu'on se mobilise tous là-dessus et qu'on œuvre tous au quotidien. Donc, que ce soit une association nationale comme la nôtre, le ministère des Sports ou la ville de Lyon, ou que ce soit des associations qui se lancent d'initiatives de groupes de potes comme Maxime et Louise, c'est grâce à ces initiatives-là qu'on fera réellement bouger les choses. Et c'est à la jeunesse de montrer que notre voix, elle compte, elle est importante et c'est elle qui nous permettra vraiment d'évoluer. C'est pas le mot de la fin parce qu'il y a une autre question qui s'est rajoutée au live entre temps. Du coup, c'est Guyane qui pose la question: comment être plus facilement acteur des différentes actions menées pour le développement durable? Je sais pas, peut-être Louise. Moi, je veux bien répondre à ça. Chacun votre tour. Louise, tu commences. Ça dépend un peu de la personne, mais si on parle de cette table ronde, du coup, de l'engagement à travers le sport, je pense qu'en tant que citoyen, il y a un grand nombre d'associations en France qui œuvrent sur différents sujets en fonction de tes goûts, en fonction de tes passions, de ce que tu aimes faire. Et faut se renseigner auprès des villes, auprès des rassemblements d'associations. C'est un bon moyen déjà de voir ce qui est fait et de te rallier à un mouvement qui existe. Ou alors à toi-même de monter ton propre projet. On voit plein d'initiatives qui, au niveau local, pas forcément une grande ampleur, mais qui font bouger les choses à leur échelle. Et c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas, Maxime, si tu veux compléter. Ouais, je vais rajouter ma petite touche. Moi, je te dirais aussi que ça dépend de l'investissement que tu peux mettre et que tu veux mettre, parce que forcément, ça, c'est pas forcément le même investissement de rentrer dans une association en tant que bénévole et donc de t'engager sur la durée à quelque chose et d'effectuer des petites actions du quotidien, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Ceci dit, les deux sont faisables, hein, ça peut se faire en même temps, mais voilà, tu peux très bien trouver des petites actions simples à faire tous les jours. Ou une fois par semaine, tu l'adaptes à ton quotidien et à ce que tu veux faire. Je pense que le plus important, c'est que ça ne devienne pas une contrainte et que ça reste un plaisir de le faire pour que tu puisses justement partager aussi à tes amis, à ton entourage proche, cette vision que tu vas avoir de l'écologie et pas quelque chose de fade où on va ramasser des déchets, c'est chiant. Non, justement, faut garder le côté fun et le côté on a envie d'aller le faire. On touche à la fin. Donc je tiens à vous remercier vous quatre. Donc à Zéro Mégot, à l'association Zéro Mégot qui a été co-créée par Louise, à l'ANESTAPS, l'association, la grande association ANESTAPS dont Andreas fait partie, mais aussi à Wellrun, qui a été créée par Maxime, et aussi à Yann de nous avoir fait l'honneur de venir discuter avec nous. Et merci à toutes et tous qui ont regardé le live. Et qui en ont appris beaucoup et même pas mal sur les possibilités qu'offre le sport à tous les niveaux et surtout en termes d'écologie. Voilà, donc merci à tous et c'est la fin du live. Merci beaucoup.